Le monastère d'Arcadie constitue un site exceptionnel pour son contexte religieux et historique. Situé à 500 mètres d'altitude, il constitue un ensemble fortifié au centre duquel se trouve l'église principale à deux nefs. Après sa victoire dans la région de l'Akanée, Mustapha Pacha avance vers la province de Rétimone. Le 8 novembre 1866, son armée de 15 000 hommes encercle le monastère. 300 rebelles, 600 femmes et enfants y ont trouvé refuge. Malgré leur large supériorité numérique, les Turcs ne parviennent pas à prendre le monastère le premier jour. Le lendemain, la porte ouest cède et, alors que les Ottomans s'engouffrent dans le prieuré, les insurgés font sauter les réserves de poudre, préférant causer la perte de 964 personnes plutôt que de se rendre. Une centaine de Crétois sont faits prisonniers. Du côté turc, on dénombre 1500 tués. L'abbaye est devenue aujourd'hui un sanctuaire national en l'honneur de la résistance crétoise. L'explosion ne mit pas un terme à l'insurrection crétoise, mais attira l'attention de l'Europe sur ce peuple qui se battait pour son indépendance. L'Holocauste d'Arcadie a marqué l'histoire de la Grèce et même du reste du monde. Il a certainement influencé le cours historique et le sort de l'île de Crète. Le 8 novembre est désormais le jour de fête commémorative à Arcadie et Rétimone.